Salut à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le test d'un nouveau joueur. Ce joueur c'est également un footies, il s'agit de Cavanis Footies. Je pense que vous êtes nombreux à pouvoir le tester tout simplement, vu qu'il est très difficile à revendre, vous n'avez pas été si nombreux que ça à pouvoir le tester. Et bien, j'ai décidé de le tester pour vous, tout simplement je l'avais obtenu dans un pack, donc c'est toujours plus simple quand c'est ça. Et pour fêter ça, bah, tout simplement, hein, je me suis créé une petite équipe d'Uruguay qui est plutôt sympa, donc les joueurs je peux revenir dessus, mais Mousselera dans les buts, Caceres, Gaudin, Pereira, Sanchez, Suarez, Cavani, Vuidez, Ramirez, Gargano et notre ami Caceres sur le côté gauche. Voilà donc l'équipe et mon petit chouchou quand même, hein, c'est Hernandez qui est vraiment juste un monstre. Si vous ne l'avez jamais testé, je vous le conseille, c'est vraiment un monstre de chez monstre. Donc voilà, c'était tout simplement pour fêter. On va s'attarder quand même rapidement sur les stats de Cavani qui sont juste monstrueuses, avec un 83 de vitesse, 90 de dribble, 96 de tir, 78 de passe et 92 de physique. Donc ce que je vois mettre Cavani, à part pour revendre en milieu offensif, je considère que c'est une erreur. Avec son 78 de passe, il y a bien des milieux offensifs bien plus costauds que lui, en sachant qu'il n'a que 3 de gestes techniques. Donc Cavani c'est certainement pas un MOC. Par exemple un Rooney qui va pas très vite avec un bon niveau de passe peut être un très bon MOC, ce qui est dans la réalité un 9,5, ce qu'on appelle. Cavani, l'avantage de cette carte Futis par rapport à ses cartes précédentes, c'est la vitesse, hein. Vraiment il manquait clairement de vitesse, et là le 83 fait plutôt plaisir. Donc ben, on va voir ce que ça donne. Allez, on commence tout de suite, on voit le petit Quaresma qui est en bas là, juste à attendre son tour, hein. Ça sera le prochain, hein. Voilà, je vous spoil un peu le prochain épisode, mais le prochain après Doumbia, après Cavani, ça sera évidemment Quaresma. Et là, pour l'occasion, je créerai une équipe du Portugal plutôt costaud, je vous dis pas, mais évidemment qu'il y aura du Cristiano Ronaldo dans cette équipe. On peut pas faire une équipe sans Cristiano Ronaldo, j'ai que ça mon chéri, donc cherche pas. Mais j'ai que ça, voilà. Allez, allez petit mongolien. Ah là là là, c'est chiant les joueurs comme ça. Il veut mettre mon maillot préféré, maman. Eh ben non, pas ce soir. Oula. Petite équipe. Ah, il y en a en division 10. On va voir. Premier match, on va en faire 3. Bah oui, 3, évidemment. 3 matchs. Et on va voir ce que donne. On verra les stats de Cavani à la fin. Voir si vraiment déjà c'est pas moi qui étais un peintre. Hein, parce que ça peut arriver aussi. Alors Cavani, déjà on sent, si vous avez déjà testé sa carte, qu'il est beaucoup plus rapide. Ah oui mais là, ah oui mais si tu me fais ça. Alors Sanchez, est-ce que ça va vite? Alors je sais pas du tout, j'ai jamais joué avec cette équipe, hein, c'est une première. Donc je sais pas, oh oui, tout de suite Cavani qui montre le chemin. Il est où mon petit Cavani? Ah là cette fois-ci on lui met. Ouh, grosse tête, on voit quand même qu'il mange ses adversaires de quasiment 20 cm. Dans la vie je fais des tout droits parce que moi j'aime ça. Nani nani nina, moi je fais des tout droits, les bons tout droits. Allez mon chéri là. Allez bien sûr. Ah la fin de frappe. Le petit frappe skill mais qui ne marche pas malheureusement, c'est un peu présomptueux. À la mi-temps, bon, j'ai envie de dire quoi. Je sais pas pourquoi ça fait ce bruit dans mon micro. Ah le bon tac. Et je vais tout droit parce que moi j'aime ça. Je suis vraiment un débile, mais je m'en fous, je suis un débile quand même. Allez, tu y es, monte là-bas. Et là, faut appliquer. Il faut s'appliquer. Non, mais. Faut s'appliquer sur ça, là. Mon Cavani, moins 12. Déjà. Moi, je fais tout droit. Je fais des passes tout droit. Parce que moi, j'aime ça. C'est vrai. Il faut tout pour faire un monde. Perdre dans la vie, reconnaître ta couleur. Oh, les penalty. Quoi? Mais comment tu peux ne pas siffler penalty là sur ça? Et on enroule. Ah le poteau. Ah ça fera bien. Ok non mais là t'es passé costaud. Voilà.
ou c'est mon petit ami quand même, c'est Gaudi qui s'est fait pousser comme un puceau là. Ah oui, ah non. Ouh, très belle frappe. Très très belle frappe. Ça c'est une frappe de qualité, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et là, reprise. Oh, aïe. Ça chambre, ça chambre, mais ça va pas au fond au final, là, quand même. Hein. Oh non, mais Cavani. Mais c'est... Bon, Cavani, c'est quand même... Bon, la frappe, je te l'accorde, c'était bien vu. Mais là, non. Là, tu t'as pas le droit. Ah, merde. Ah là là. Si on laisse comme ça. Bon, pour l'instant, c'est une ultra domination. Mais bon, il va peut-être falloir réussir à marquer. Non, mais Cavani, quand même, a 3 balles de but. Moi, je veux pas être méchant avec lui. Il a 3 balles de but, il veut pas les mettre. Ça arrive. Il veut pas. Salaud de Cavani. C'est mon petit salaud. Mon petit salaud de Cavani. Il ne veut pas bien marquer. Allez. Bon. Pas comme si j'allais dominer toute la partie. Ah oui, là, faut pas déconner. Faut pas déconner cette fois-ci. Gaston ! Eh oui ! Oh, ça sent la frappe, ça. Oh non, mais faut me la laisser frapper, celle-là. Bon, premier match, c'est plutôt bien. C'est plutôt constructif, il y a du match. C'est pas mal. Allez, on se retrouve tout de suite pour le match numéro... Allez, on se retrouve pour le match numéro 2. Dans le premier match, ça s'est plutôt bien goupillé. Je trouve que Cavani a manqué. Bon, et malheureusement, le côté geste technique est quand même assez préjudiciable. Bon, après, techniquement, ça s'est plutôt pas trop mal débrouillé. Hein, mais je pense que pour un joueur de ce prix-là, on pourrait s'attendre à mieux. Hein. Si clairement, j'ai été très emballé par Doumbia Footies, pour le moment, je le suis moins. Après, ça dépend exactement du type que vous aimez produire comme jeu, évidemment. Ça ne marche pas. Ça dépend exactement du type de jeu que vous voulez produire. Forcément, si vous voulez produire un type de jeu vraiment avec deux gros attaquants ou un attaquant solide, ben voilà, Cavani, il est fait pour vous. Si vous aimez ce type de jeu avec des centres, par exemple, ou pour avoir vraiment un point d'appui, je pense que vraiment Cavani est fait pour vous. Malheureusement, moi, j'aime bien quand même avoir... voilà, j'ai pris mes petites habitudes de petit pépé avec mon joueur au moins 4 étoiles pour mes gestes techniques au moment voilà où l'attaquant, pour pouvoir me retourner plus rapidement, faire certains gestes techniques que j'utilise énormément. Voilà, c'est tout simple. Et sur les côtés, j'aime bien avoir mes petits gestes techniques, hein, mon petit hocus pocus. J'aime bien passer un petit drag back fake de temps en temps. Voilà, un petit waka waka. Hein, voilà, waka waka, les gars, n'importe quoi. Pour Cavani, ça sent le coup franc. That's my boy. Colac. Non, hop, on va changer. Il est où, moi. Oh, 85 de précision coup franc. Donc là, si je la mets pas, je suis un blaireau, quoi. La grosse parade de Timo Ward. Espèce de petit enculé de merde. Voilà. Et oui, bien sûr, mais nous on est là pour le plaisir. Plaisir des yeux. Bien sûr. Et là pour le grand Cavani au deuxième poteau. Au pénalty, bien sûr, évidemment qu'il y a pénalty, évidemment, c'est un scandale, mais un scandale. Ah là là, non mais non, évidemment on va faire tirer notre petit ami Cavani. 92 en pénalty, ça c'est, si foire, c'est juste que je suis une grosse merde en gros, à peu près. Oh merde, je suis capable de le foirer là. C'est pas passé, bon. Timo Ward n'a pas eu la masse solide parce que ça lui passe juste à côté là, il doit pouvoir avec le petit doigt. S'il avait eu le petit doigt solide, je pense.
Ah, peut-être pas quand même. Je sais pas s'il la touche, mais bon. Bon, pour le moment, il n'y a pas eu match hein, depuis tout à l'heure. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, mais il n'y a pas match. Hein. Claire, il n'y a pas match. Il y a quoi 8 tirs à 4 et encore. Ces frappes sont pas vraiment des frappes. Il y a une occasion où je joue très mal défensivement, où je vais avec l'un de mes défenseurs sur le porteur du ballon et je crée un énorme espace dans le dos. C'est très mal joué de ma part. Je pense que même un poussin de FIFA n'aurait pas commis cette erreur. Voilà. Des fois, quand on joue contre des joueurs mauvais, ben, ça fait baisser notre propre niveau hein, qui est là, quoi. Là, ici. Allez. Faut jouer, mon chéri, là. Come on. Ah voilà, il fait des changements là, on sent qu'il se dit que le match est à sa portée. Ça c'est... Oh, tout était exceptionnel. Oh, on fait des petites passes comme ça, en lob et tout. Bon, là c'est vraiment terrible au milieu de terrain. Allez, allez, t'es rapide. Ouais bon voilà, cette fois-ci c'est de sa faute, hein. Il me laisse le champ libre. J'avais pas pris l'avantage hein, dans cette deuxième mi-temps, je jouais pas très bien, bon là évidemment. On est obligé de marquer, il nous oblige à marquer. On va enrouler. Oh, à chaque fois qu'on enroule on fait le poteau, c'est pas possible. Qui va vite. Eh mais quand c'est au fond, c'est le problème. Cette fois, là, les deux doublements de passes au milieu de terrain étaient parfaits. Là, il n'y a rien à dire, c'était parfait. Joli dédoublement. Malheureusement, la vidéo s'arrête ici. La fin du match n'a pu être filmée. Il a réussi à marquer un but en fin de match avec Kogoril où il m'a juste cassé les reins. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à le montrer à vos amis, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser un pouce bleu. Tout ce que vous voulez faire avec la vidéo, vous le faites. En tout cas, je pense faire de plus en plus de vidéos, surtout que je vais avoir du nouveau matériel pour pouvoir filmer et donc avoir pour vous présenter en tout cas une meilleure qualité. Pareil, je vais avoir un nouveau logiciel de montage qui me permettra de faire des choses un tout petit peu plus foufolles que ce que je suis capable de faire à l'heure actuelle avec mon pauvre logiciel de vidéos. En tout cas, merci d'être aussi nombreux à me suivre et on se quitte en musique avec la musique qui nous a accompagné dans cet épisode. Arnaud Demouli. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les âmes...